Bonsoir donc, merci pour votre présence. Et je vais essayer de vous parler d'une association qui finalement n'est pas connue. Elle n'était pas connue non plus moi-même. C'est au fur et à mesure de mes investigations que je m'en suis rendu compte. Mais les personnes qui font partie de cette association sont bien plus importantes et ont une audience, pour certains, internationale. Donc, elle est née comment et elle va cheminer comment à travers notre histoire qui se passe entre 1935 et 1939. Oh là, ouais, ça se fait bien. Je n'aurais pas besoin d'exciter. Bien. Elle se passe dans une période absolument triste et j'ai voulu comprendre, enfin tenter de comprendre, pourquoi des artistes avait créé cette association en pleine tourmente de notre histoire récente et contemporaine, et précédant de peu la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ça que je vais voir. Dans la première demi-heure, il y aura l'explication, ou en tout cas tout ce qui chemine autour de l'association elle-même. Et dans la deuxième demi-heure, je vais tenter de prendre la biographie des peintres qui m'ont intéressé, de vous montrer leur parcours et peut-être même un cheminement qui vous intéresse, qui vous oblige ou qui vous contraigne, je pense, à aller plus loin. Voilà, je n'ai pas la prétention pour certains artistes de faire en quelques minutes une biographie qui demanderait certainement plusieurs heures, pas du tout, c'est pas le but, mais c'est de vous faire comprendre ce qu'il y avait autour de ces gens qui, pour la plupart, étaient originaires du nord de la France, dont nous sommes fiers. Alors, comment s'est-elle imposée à moi? Alors, je dirais d'une manière assez simple, Henri Letellier, dont les deux vitraux sont derrière moi et qui ont été réalisés après la guerre, a été la première personnalité que j'ai connue, rencontrée à Boulogne, au temps où j'habitais Boulogne, dans les années 80 et un peu avant. Mais ce qui a cheminé dans mon esprit, c'est que lors d'une manifestation où il a offert à Gravelines, le musée de Gravelines, une partie de son œuvre gravée, il a en même temps signalé qu'il appartenait à la Nef, et la Nef est une interpellation pour moi évidemment première. La deuxième chose qui m'a interpellé aussi, c'est Alfred Georges Regner. Regner, c'est un peintre ami qui est né à Amiens et qui a vécu à Calais et qui était ami de Henri Letellier. Or, j'ai trouvé un tableau un jour représentant un prêtre en train de lire la Bible mais éclairé par une bougie. Et cette espèce d'ensemble pour moi était assez étrange mais très bien réalisé. Mais en cheminant pour comprendre ce peintre, j'ai appris qu'il faisait lui aussi partie de la Nef. Donc, deuxième interpellation, et enfin la dernière qui s'établit entre les deux versants de cette nef, c'est Raoul Brigaud. Un jour, Michel Botin, curé, ancien curé de la paroisse, m'offre un document manuscrit et me dit « ça peut vous intéresser ». À l'intérieur, je vois écrit « ABH1 a demandé à Raoul Brigaud de réaliser un chemin de croix ». Nous étions en 1936. Et je lis un peu plus loin, le 6 septembre 1936, inauguration en présence des membres de la Nef. Voilà comment la Nef s'est inscrite un peu dans mon, pas imaginaire, mais dans ma conscience qui était en train de s'intéresser à l'art. Alors cette création, donc, commence en 1935. Alors, elle s'établit comment? Elle s'établit à travers une structure administrative, etc. Enfin, je dirais, d'après mes investigations, on n'en trouve nulle part trace, pas même en préfecture et nulle part ailleurs. Je me suis rapproché du diocèse que je connais bien, auprès de Madame Durbise, Monique Durbise, qui est la secrétaire de l'association d'art sacré du diocèse, dont le président est l'évêque en titre, à savoir Olivier Leborgne, ça me revient, merci. Et donc, le questionnement que j'en ai fait m'a répondu qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette association. Je me suis rapproché des archives et de Madame Cosson,
Et Mme Cosson m'a dit, vous faites chou blanc comme votre prédécesseur, par conséquent, nulle part on connaît cette association, c'est bien pour vous dire qu'elle est étrangère partout, sauf ceux qui l'habitent. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas la peine d'aller plus loin, que les artistes étaient un peu comme les curés, il n'y a pas de curé j'espère, ils sont hors sol. Ils ne s'occupent pas de savoir s'il faut créer administrativement ou quoi que ce soit. Ça ne les intéresse pas. Ce sont des créateurs et l'administratif, c'est en dehors de leur, j'allais dire compétence, c'est pas le mot, mais de leur univers. Alors, ce que l'on sait de... Alors oui, pour promouvoir... Alors le but de cette association, je ne l'ai pas dit, mais c'est promouvoir l'art sacré. Promouvoir, il y a deux choses. Il y a d'abord promouvoir. Est-ce que l'art sacré était en danger? Et l'art sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, certains biographes évoquent plusieurs personnes, c'est-à-dire promouvoir l'art sacré, c'est dans la définition, mais qui sont les créateurs de cette association? C'est là où je voulais en venir, je m'avance un peu trop. Alors, certaines biographies que j'ai eu l'occasion de lire, mais qui ne sont pas des grosses biographies à la Picasso avec 14 tomes, là, c'est des petits livrets de 4-5 pages, qui ont l'avantage de préciser, je dirais, le parcours de certains peintres lorsqu'une manifestation, une inauguration se présente. Et là, pour l'ensemble de l'association, le premier qui vient à l'esprit, c'est Félix Delmarle. Félix Delmarle, c'est un personnage assez atypique dans sa présentation. Alors, il ne faut pas que j'oublie. Oui, ça serait bien quand même que j'avance les choses. Voilà, François Metz. Voilà, on va arriver à ces personnages. Tout à l'heure, je vous ai parlé, excusez-moi, mais j'ai oublié de vous montrer qu'Alfred Georges Lagunner est la première personne artiste. Raoul Bricot et Henri Letellier. C'est vrai que vous savez lire, donc ça va tout seul. Alors, la première personne qui m'est venue à l'esprit, en tout cas qui a cheminé dans mon parcours pour savoir qui en étaient les créateurs, finalement, Félix Delmarle. Mais Michel Cabal, qui a travaillé le sujet, a une définition du personnage qui, en lui-même, est assez étrange. C'est un artiste qui est quand même connu internationalement, qui a fait New York, Bruxelles, Milan et naturellement Paris, et qui a des œuvres dont un autoportrait au MoMA de New York, c'est-à-dire le Musée d'art moderne de New York, ce qui est quand même une référence en ce qui concerne ce personnage. Mais j'ai poursuivi ma quête pour savoir quelle était... les créateurs, et puis je suis arrivé à Henri Letellier, et Henri Letellier, ben, finalement, c'est en fait un ami de Félix Delmarle. Ils se sont rencontrés à Lille quand Henri Letellier faisait ses études de droit, parce que ses parents l'avaient enjoint au moins de faire un travail plutôt professionnel et plutôt dans l'esprit de la famille, au cas où l'art ne serait pas nourricier, enfin, ou nourrissant, enfin, je ne sais pas, mais de quoi lui payer son casse-croûte. Et donc, ils se sont rencontrés et ils ont été amis très vite. Pourquoi ? Parce que leur chemin, on va dire, artistique, a progressé de cette manière. Ils sont passés de l'art figuratif, c'est-à-dire que c'est un art tout à fait normal, je dirais. Il y a un chat qui est représenté, vous voyez un chat, c'est exactement ce qui se passe. Dans l'art qui se développe vers une réflexion plus approfondie, c'est l'art abstrait, avec un cheminement tout à fait particulier. Et Michel Cabal, pour ne citer que lui, encore, a une définition très particulière de ce cheminement concernant Félix Delmarle. Donc, nous avons Félix Delmarle comme premier créateur, puis Henri Letellier, et enfin le troisième, qui est Don Sabato. Et alors là, on arrive chez les curés, si je peux m'exprimer ainsi,
Et Don Sabaton et Augustin Sabaton, c'est un moine de l'abbaye de Wisk qui est rentré d'exil, parce qu'il faut quand même repartir un peu en arrière, en 1901, tous les religieux sont expatriés en dehors de la France, en tout cas ceux qui ne veulent pas renoncer à l'esprit religieux. Donc la majorité des abbayes, enfin des communautés religieuses, s'expatrient, et l'abbaye de Wisk va s'expatrier, dont Paul Bello, mais d'autres aussi, vers une communauté qui va se créer en Hollande, aux Pays-Bas, à Oosterhout, et ils vont recréer cet endroit, et va vivre là-bas, fameux Don Augustin Sabaton. Il va donc revenir en 1920, quand la permission d'autoriser le retour des religieux en France est établie, et il va s'intéresser à l'art de manière tout à fait passionnelle et passionnée, et il va faire arriver des personnalités dans l'espace de la ville. Si je fais des rapprochements entre cette époque et aujourd'hui, je dirais qu'il y a un monde qui les sépare. Il y avait à l'époque une ouverture d'esprit extrêmement large vis-à-vis du monde artistique, même si c'est un monde artistique qui traite le religieux, mais on va voir pourquoi, c'est pas évident. Et puis aujourd'hui, où les bons pères que j'ai rencontrés récemment, qui sont très gentils, hein, mais bon, ils sont tournés vers le bon Dieu, c'est sûr, et certains, et au-delà. Hein. Donc, ça les embête un peu. Bon, ils ont été très gentils avec moi, parce que j'ai été très gentil avec eux. Donc, on a pu aller un peu plus loin. Voilà, hein, je fais un pater et deux athées, comme dirait l'autre. Donc nous avons les créateurs et maintenant les membres de la constitution de cette association. Alors on sait que le comité de patronage était composé de Monseigneur Dutoit, évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer, président d'honneur, qui sera par la suite aussi président d'honneur du congrès marial de 1938, et qui va manifester véritablement un bouleversement artistique. Il faut bien reconnaître qu'à ce niveau-là, on n'a pas idée de ce que ça peut représenter comme espace de création énorme. C'est pas que religieux, il y a des manifestations artistiques qui se sont produites à ce moment-là, qui ont fait littéralement éclater l'art. Par exemple, Brigaud en est la preuve. Donc, les membres qui sont, on va dire, qui participent de cette association et qui sont les organisateurs. Donc j'ai parlé de Augustin Sabaton, père abbé de Wisk, qui a rang d'évêque, hein, je le signale au passage, c'est une personnalité qui est élue par ses frères ou ses pères, enfin peu importe, tout ça, ça se mélange bien, mais ça élit une personnalité actuellement, je ne sais plus son nom, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Il vient d'être, je ne sais pas si on dit consacré, je ne suis pas très sûr des choses. C'est un nouveau père abbé, médecin, il y a un médecin, un père abbé médecin. Et un autre qui est architecte et qui a fait les beaux-arts. Donc ce n'est pas interdit chez les curés. Alors, le comité actif était composé de 20 membres. Également réparti entre clercs et laïcs, on y trouve Delmar, Drobeck, je vais vous en parler tout à l'heure, Gournay, Harry Gournay, si certains connaissent, c'est un Boulonnais dans le milieu maritime, Gros, c'est un ophtalmo, un spécialiste dans ce domaine, Henri Lotelier, dont j'ai parlé, de Corby, Antoinette de Lénagor, alors c'est la seule femme du lot. La parité à l'époque n'existait pas, c'est bien, il faut bien reconnaître. C'est la seule femme. Et Maville de Pongeville, que certains parmi vous connaissent, qui est un historien local et régional. Alors, la répartition sociologique s'établit de la façon suivante. Tout d'abord, sur le plan de la parité, on dénombre une seule femme, ce dont je viens de parler, Antoinette de Bénignan de 8000. Puis ensuite, une répartition entre clercs et laïcs. C'est partagé entre les religieux et les laïcs. Et sur le plan professionnel, on y trouve
des architectes devenant des artistes, des peintres ou des sculpteurs, des artistes à temps complet ou des musiciens, des menuisiers, des maîtres verriers. Alors les derniers, maîtres verriers, il n'y en a qu'un. Des menuisiers, il n'y en a qu'un. Et un musicien, il n'y en a qu'un. Donc tout ça va se mélanger et augmenter au fur et à mesure grâce à l'arrivée des Belges et des Hollandais. Alors, je vais citer des noms. C'est une source sûre. Qui sont originaires du nord de la France. Donc il y a Delmarle, Drobec, Gournay, Gros, L'Hôtelier, le frère François Metz. Lui, je ne sais pas si on peut dire qu'il est originaire du nord, parce qu'il est venu dans le nord, venant des Pays-Bas, où il était protestant, on va en reparler. Il est devenu catholique, etc. Enfin bref. Donc le frère François Metz. Ensuite le frère Marius, Raoul Brigaut, Lagage et Madame Paris. Et ensuite, venant de Paris, il y a Don Bouton, Marianne Clouseau, Hermine David, De Metz, Desvalières, qui sont des noms connus des grands artistes, sans doute que vous connaissez Annette, Féodoroff, Simone Froment, Albert Blaise, Anselme, Louis Hervieux, Chevalier, etc., plus une vingtaine d'artistes belges et des Pays-Bas. Je vais maintenant parler du rôle de l'abbaye Saint-Paul-de-Vis. L'abbaye est située dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de Saint-Omer, chacun sait où ça se trouve. Elle est affiliée à la branche masculine de la congrégation de Solèves. L'abbaye est fondée en 1889. Du château, ils habitent provisoirement, ils y installent leur prieuré en 1894. Plus tard, en abbaye, elles s'agrandiront progressivement. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est pour les situer. Évidemment, ce n'est pas directement lié à l'association, mais ils participent tellement à l'œuvre de l'association qu'il faut quand même savoir d'où ils viennent. En 1935, elle était dirigée par le père abbé Augustin Sabaton, de retour d'exil des lois de 1901, grand amateur d'art religieux. En 1920, venant de Osterhout, lieu de son exil et fondation d'une communauté, il va permettre l'accueil d'artistes de renom, dont Paul Bello, dont Paul Bello y installera son atelier d'architecture, aidé plus tard par son élève et admirateur, Joseph Philippe. Merci, monsieur de Buisère, vous suivez. Don Bouton, décorateur, fera installer un atelier de céramiste avec un four. Frère François Metz, décorateur en lien étroit avec Don Paul Bello. Mais plus tard, d'autres artistes viendront y travailler. Vincent Gilles Franco, Harry Gournay et d'autres. Alors, qu'entend-on par... D'abord, je suis dans les temps. Qu'entend-on par art sacré à cette époque? Alors déjà, quand on regarde le dictionnaire, on dit c'est en rapport avec le religieux, avec le divin, c'est l'art religieux au service du culte. Voilà, c'est un peu raccourci, mais c'est un peu comme ça. Alors, pour moi, il s'agit selon toute vraisemblance du religieux catholique, d'expression catholique. Je suis quand même allé voir ailleurs, dans les autres religions, les autres cultes, pour savoir s'il y avait une influence à peu près similaire. Évidemment, il y a les protestants qui viennent tout de suite à l'esprit, sont constitués de deux clans. Le premier clan, c'est les luthériens qui sont un peu, on va dire, en opposition, qui étaient à l'époque où Luther en a créé cette distance vis-à-vis de Rome, c'est qu'ils étaient en étroite division, si j'ose dire, avec la papauté qu'ils n'aimaient pas trop par son... comment dire, sa façon un peu trop fournie de présenter le catholicisme à l'époque. Ils étaient un peu riches, quoi. Hein. Donc, mais par contre, les calvinistes, eux, sont plutôt très austères, et voire même franchement austères, puisqu'il y a des cantons dans l'est de la France, où particulièrement, ils sont vraiment... Alors, ils n'utilisent pas dans l'architecture, ils sont extrêmement, limités dans la structure, mais ça n'a rien à voir avec l'anglicanisme qui, lui,
est aussi beau que notre cathédrale de, comment dire, de Paris ou de Damiens ou je ne sais où. C'est pas du tout le même genre. Donc voilà le sacré dans lequel je suis allé voir. Il y a les orthodoxes. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir au téléphone un historien de la orthodoxe où le caractère sacré existe réellement à travers une séparation entre la partie dite publique et la partie dite consécratoire, et qui est l'autre partie dont le nom m'échappe, enfin qui est à franchir. Et alors il m'a raconté évidemment toute l'histoire de ça. Donc l'orthodoxie à l'époque existait à peine. La première église orthodoxe est née en 1862, c'est l'église Saint-Basile. Ensuite est né l'Institut Saint-Serge qui sert aujourd'hui l'Institut théologique. Oui, théologique. Et ensuite est arrivé, ou sont arrivés, les Russes blancs en 1917, à la suite évidemment de la naissance du communisme. Et ces Russes, pourquoi sont-ils venus en France? Tout simplement parce qu'ils étaient des lecteurs assidus de nos philosophes que nous connaissons du 18e. Et donc ces gens-là se sont appropriés un peu, se sont répartis dans la région parisienne. Voilà ce que m'a raconté le frère Augustin. Donc il reste l'islam, et l'islam c'est assez particulier parce que, évidemment, quand on regarde l'islam aujourd'hui, il y a une expansion absolument formidable, mais en 1935, le seul bâtiment qui existait, c'était la Grande Mosquée de Paris. Alors la Grande Mosquée de Paris a été créée pour honorer la mémoire des indigènes, alors je dis indigènes entre guillemets, c'est la lecture historique, pour honorer la mémoire de ces indigènes morts pour la France en 14-18. Et donc la Grande Mosquée de Paris a été construite à partir de 1922 et en 1926, elle a été inaugurée. Voilà, donc tout ce qui concerne le sacré à l'époque en 1935, c'était à peu près ce paysage que je viens de vous parler. Alors, l'art sacré était-il en danger? Alors là, bonne question. On peut s'interroger sur cette éventualité. Il faudrait peut-être que j'avance un peu. Ouais. Excusez-moi, je ne suis pas très malin. Alors, c'est Monseigneur Dutoit, oui. Bon. On passe, voilà l'abbaye de Wisk, et vous voyez la partie du château qui est ici, qui est la première, et qui a ensuite été étendue par Dombello, dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà, bon, là, je suis un peu en avance. Donc on peut s'interroger sur cette éventualité. Ben, l'art sacré n'était pas en danger à proprement parler, c'était que des personnalités intellectuelles avaient réfléchi, pensé que l'art religieux pouvait évoluer vers une autre forme d'art qui était actuellement, nourrissait un peu toutes les communautés religieuses et évidemment églises et autres choses. Et cet art qui était, on va dire, omniprésent, c'était l'art sulpicien, un peu bon Dieu's art, si vous me permettez l'expression, mais c'est vraiment pris avec des pincettes, il ne faudra donc pas aller plus loin. Et puis vous avez l'art figuratif qui était évidemment dans ce milieu-là, manifestement l'art omniprésent. Et puis certains intellectuels, comme Paul Claudel, ont commencé à réagir un peu avec Maurice Denis dans cette évolution. Alors je cite que Maurice Denis avait créé quelque chose. Oui, c'est ça, oui. Il avait marqué en 1912, dans théorie, que l'Église, enfin l'arbre sacré, l'arbre religieux, devait évoluer. Et non pas rester figé à un système, on pourrait dire, un peu figé, on va dire. Voilà. Donc,
Je reviens donc avec Paul Claudel. Donc Paul Claudel n'était pas qu'un, comment dire, un ambassadeur au Liban. C'était une personnalité qui avait une place assez importante dans le monde de l'époque, intellectuel de l'époque. Il a surtout passé devant Notre-Dame, il est rentré, il s'est converti au catholicisme. Donc ça, ça aide quand même quand on veut faire promouvoir l'art sacré, pour le faire évoluer aussi, mais il a surtout, communiqué avec beaucoup d'artistes à l'époque. Et la personnalité avec qui il a communiqué, c'est le père Marie-Alain Couturier, dominicain de son état, qui va faire littéralement exploser l'art grâce à ses relations, et surtout peut-être aussi parce qu'il est passionné lui-même et artiste. Alors, le père Marie-Alain Couturier va donc donner l'impulsion, mais il va surtout poser la question à mon sens fondamental, enfin à mon sens au sien aussi sans doute. Il vaut mieux s'adresser à des hommes de génie sans la foi que des croyants sans talent. À partir de là, on a tout compris. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la foi pour créer une œuvre? Je pense que les artistes ont tout de suite répondu non, ça n'est pas nécessaire. Et même des gens comme Matisse, des artistes comme Matisse, vont être interpellés par Picasso, qui va lui dire « Tiens, toi, tu fais d'ordre religieux ?» Et Picasso, comment dire, Matisse va lui répondre « Oui, mais toi aussi !» Or, on ne savait pas que Picasso, lui aussi, avait la foi sans le savoir, puisqu'il va faire Guernica un jour. Donc, c'est un peu tout tout ce bruissement qui va se mettre en place, et qui va faire en sorte que les grands artistes vont se liguer à travers un projet commun et qui va être initié par une personnalité tout à fait inconnue pour l'époque. Il s'agit du chanoine, alors je crois que c'est un chanoine, de Vémy, qui va créer sur un plateau en Savoie une chapelle pour permettre aux convalescents de venir s'y reposer pendant tourmente, on va dire, médicale. Et ce plateau s'appelle le plateau d'Assy. Alors, si certains ont eu l'occasion d'entendre parler du plateau d'Assy, c'est certainement l'endroit en France où il y a le plus d'artistes du temps moderne et de notre, enfin dire, des plus grands artistes qui est rassemblé dans cet endroit. Alors, des peintres comme Matisse, Chagall, Léger, Le Corbusier vont répondre à son appel, donc c'est ce que je viens de dire. Le père Couturier va lui aussi rassembler tout ça, mais un jour, le père de Vémy va prendre contact, il ne va pas téléphoner, à l'époque on n'a pas de téléphone aussi rapide qu'aujourd'hui, ils vont prendre contact et il va se déplacer de sa Savoie vers Paris pour rencontrer le père Couturier. Et ils sont amis, ils se connaissent. Et il va lui demander de l'aider à trouver des artistes qui veuillent bien décorer son espace. C'est quand même une demande géniale. Pourquoi? Parce que le père Couturier va lui répondre « Mais oui, il y a ce qu'il faut, je vais vous montrer. » Et il va lui montrer un travail que Rouault est en train de faire. Et Rouault est en train de faire le Christ que l'on connaît. Et De Vémy va dire « J'ai exactement la place quand celui-ci s'encadre exactement dans la chapelle. » Il va appeler ça le miracle d'Assy, en fait. Mais ça va générer, à travers ce début, ce passeport artistique, cela va générer une autorisation d'un ensemble d'artistes qui vont venir. Or, c'est quand même pas rien, ces artistes qui vont venir. Je vais en citer quelques-uns parce que, bon, ça vaut le coup quand même. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dedans? Mais j'ai oublié de dire que l'église avait été construite par Novarina, Maurice Novarina. Oui, alors voilà, j'ai une liste que je me suis faite tout à l'heure. Bon, le premier qui s'est inscrit dans l'histoire, c'est Fernand Léger. Fernand Léger, mais il y a Matisse, il y a Paul Bercot, Pierre Bonnard, Braque, Brianchon, Chagall, Constant de Maison, Marie-Alain Couturier pour De Vitraux, Odette Jacques-Litchik, et puis un artiste qui est actuellement
au musée de, alors il y a Matisse, Lursa, Germaine Richier, Rouault, je l'ai parlé. Voilà, Ladislas Quignot. Ladislas Quignot est un gars du Nord, enfin il est passé par l'Est-Fermel. Il expose actuellement, enfin, il a toute son, une partie de son œuvre au musée du Touquet. Donc je pense que c'est jusqu'à la fin de l'année, ça vaut la peine. On est dans l'art abstrait, hein, donc il faut s'approcher avec une certaine délicatesse, on va dire, pour admirer. Donc voilà, en ce qui concerne cette première partie, qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, oui. Alors, cette chapelle va contenir un nombre d'œuvres d'artistes, je viens d'en parler. Dans une œuvre, alors j'avais fait un raccourci, il y a une création et une émotion. Alors, le binôme de la nef, promouvoir l'art sacré, ça suppose un bilan, puisqu'on est dans un espace de temps de 5 années. Eh bien, le bilan, c'est l'église Saint-Yves sur le mont d'Ostrov, c'est ce que nous avons là, c'est une espèce de voile. Elle fut considérée comme révélatrice de l'action des membres fondateurs sans résultat artistique. Autrement dit, les artistes eux-mêmes ont été assez critiques pour dire que ça ne valait pas grand-chose. Alors, je ne sais pas votre avis, c'est vrai que c'est une petite chose qui est là sur un mont qui était assez désolé à l'époque, qu'on appelle le mont d'Ostrov. C'est la seule église appartenant au diocèse, je vous le rappelle au passage, donc elle est assez frais, pas au frais de l'État, au diocèse, construite entre 1936 et 1937 par l'architecte Pierre Drobeck. Rien d'original, selon les artistes eux-mêmes, c'est ce que je viens de dire. Deux vitraux de Saint-Pierre et Saint-Paul forment l'église, vous les avez là, par un riz d'hôtelier. C'est incontestablement le congrès marial de 1938 et sans transition, j'arrive à Boulogne du 20 au 24 juillet, qui va faire émerger un nombre de créateurs entraînés par Félix Delmarle et ses amis, sous l'autorité de Mgr Dutoit, président d'honneur, ainsi que celle du cardinal Achille Liénard, légat du pape. Les membres de la nef ont été sollicités, Pierre Drobeck, commissaire aux beaux-arts du congrès marial, Brigaud peint le triptyque, je n'ai rien trouvé sur Brigaud, rien, absolument rien. Pourtant, j'ai une masse d'informations sur le congrès marial et les, comment dire, les reproductions, les peintures qui ont servi à la décoration parce que ça a été immense et colossal, rien n'a été retrouvé. Mais j'ai lu quelque part que quelqu'un s'était approprié l'ensemble de toutes les œuvres qui avaient servi à la décoration, sans en connaître la valeur des artistes de l'époque, qui maintenant, évidemment, apprend une toute autre valeur compte tenu de l'intérêt historique, mais c'est un peu dispersé dans le monde entier. Alors, ça veut dire peut-être que quelqu'un est au courant de certains dépôts, on va dire comme ça. Les membres de la nef ont été sollicités, donc Pierre Drobeck, commissaire aux beaux-arts du congrès marial, Brigaud peint le triptyque surplombant le maître-autel, Félix Delmar réalise des affiches du congrès marial et Pierre Stenn modèle les statues de Notre-Dame de Boulogne et Jules Leleu, ébéniste de l'époque, va concevoir tout l'environnement mobilier. À la suite de ça, un nombre important d'expositions vont être organisées dans le cadre des congrégations et pèlerinages, notamment par Raoul Brigaud, qui va être particulièrement dynamique. Personne que j'ai connu, hein, je vous signale au passage, ça peut aider. Il y eut une autre exposition d'une quarantaine d'artistes français étrangers chargés du thème sur la Vierge Marie. C'est un peu normal en période de congrès marial. Il est impossible aujourd'hui de retrouver ces œuvres dispersées dans le monde entier. Différentes associations d'artistes y participèrent, comme la Nef, l'Arche, l'Association de Saint-Marc, l'Art Sacré. Toutes ces associations qui génèrent des idées dans le domaine de l'art sacré ont été pilotées par des communautés religieuses comme les jésuites, comme les salésiens ou je ne sais quelle autre communauté. Chacun avait son petit côté art sacré. Oui, c'est un peu comme ça dans l'Église aussi.
Outre leur participation à cette importante célébration religieuse, chacun des artistes concernés se distrait vers d'autres horizons, c'est-à-dire qu'il faut bien vivre et par conséquent, il faut d'autres œuvres qui ne concernent pas forcément la religion. Je vais terminer sur la contextualisation de cette époque et des événements qui l'ont couru pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui s'est passé. Donc il y a trois parties, mais c'est très court, c'est très, très, très ciblé. C'est d'abord le politique et social, puis ensuite le religieux, puis ensuite l'artistique. Et on va commencer en 1935. Hitler proclame le réarmement de l'Allemagne, sa souveraineté en violation du traité de Versailles. Ça commence bien. Je vous rappelle qu'Hitler est déjà en poste depuis 1933. En 1936, en France, création des voies sociales, congé payé, semaine des 40 heures, Léon Blum est président du Conseil. 1937, le 26 avril, la ville basque de Guernica est bombardée par des avions italiens et allemands sur un marché public, 2000 morts. Les pleins pouvoirs sont donnés à Hitler pour 4 ans. 1938, sans coup de feu, l'Allemagne annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Guerre d'Espagne, nuit de cristal, 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. On arrête là, c'est la fin de la création, c'est la fin de l'existence de cette association. Alors que se passe-t-il en catholicité? En 1937, le 14 mars, le pape Pie XI Achille Ratti s'élève contre le nazisme et publie une encyclique au nom prémonitoire avec une inquiétude brûlante. Alors, elle est écrite en latin, moi je ne pige pas de mots, donc je vous laisse la traduction avec une inquiétude brûlante, 1937. Il sera le témoin de la montée des totalitarismes en Europe, le communisme en 17, le fascisme en 1922 et le nazisme en 1933. 1938, juillet, congrès marié à la Boulogne. On peut dire quelle ambiance. 1939, le 10 février, mort au Vatican du pape Pie XI, le pape Pie XII lui succède. Il s'agit du cardinal Eugenio Pacelli, d'une discrétion toute diplomatique, on saura pourquoi. Il était ambassadeur en Allemagne avant. Dans le monde de l'art, c'est plus triste. 1935, le 10 janvier, mort à Paris d'origine de Montbreton, artiste peintre et épouse Adrien Demont, décédé en 1928 lui-même, illustre artiste et créateur de l'école de Vissan. 1935, décès d'Adrienne Bade à l'âge de 47 ans, seconde fille de Virginie d'Adrien Demont, épouse de Henri Bade. 1937, mort du musicien Maurice Ravel. 1937, Picasso réalise une œuvre monumentale de Guernica, 3,50 m sur 7,50 m, en hommage aux 2000 victimes de l'horrible massacre du 27 avril. Une soixantaine de dessins préparatoires pour finaliser l'œuvre sous les yeux de son ami Paul Éluard. 1937, Hitler inaugure l'exposition de l'art allemand par opposition à l'art moderne à Décadent. 1939, le 20 mars, 5000 œuvres jugées inexploitables seront brûlées dans la cour d'une caserne de pompiers. Picasso, Matisse, Chagall, Van Gogh brûleront par la volonté d'un dictateur. 1939, le 30 juin à Lucerne, au cœur de la Suisse, Hitler brade les collections d'art moderne des musées allemands lors d'une vente aux enchères des maîtres modernes, Picasso, Matisse, Chagall, etc. Voilà la première partie. Je suis hors du temps. Voilà la première partie de cette histoire de la nef et de son contexte. Je vous propose maintenant de rentrer dans une biographie un peu réduite, mais quand même, des peintres qui l'ont composé. On va commencer par Félix Lelmarre,
Ensuite, on va prendre Henri Letellier, on va prendre Raoul, Brigaut, et puis ensuite, on va essayer de continuer vers les autres. Vous voyez, voilà, je suis top là, quand même. Alors, Félix Delmarre, naissance à Pont-sur-Sambre dans une famille de brasseurs. En 1889, il se forme à l'atelier des Beaux-Arts, notamment à Lille avec, et à Bruxelles avec Pharaon de Winter. Il s'intéresse à toute forme d'art, la peinture et la sculpture. Il est très curieux. Plusieurs courants post-impressionnisme le fascinent dans son évolution, et c'est là où je cite Cabanne. Lui, je ne peux pas m'en passer, il est tellement érudit dans ce domaine, passionné, me dira M. de Buisère tout à l'heure. Post-impressionnisme entre 1910 et 1911. Cubo-futurisme entre 1912 et 1916. Néoplasticisme entre 1923 et 1929. Réalisme entre 30 et 40. Surréalisme entre 41 et 45. Abstraction géométrique entre 45 et 52. Voilà, je pense que vous avez tout compris. Il cherche. C'est un chercheur, chercheur de Dieu aussi. Hein. Il se lie avec des gens, pas n'importe qui non plus, Mondrian, Kandinsky, Léger, Herbin. Bon, tout ça, c'est des gens tout à fait respectable. Il fonde la MEF en 1935, participe activement avec ses amis au congrès marial de 38, j'en ai parlé. Alors, Delmarre est un personnage ambigu, selon Michel Cabanne. Alors, écoutez bien, ça c'est du Cabanne pur. Franc-maçon à Aulnois, catholique à Limoges, mystique à Wisk, élitiste à Paris et social ailleurs. Pour toi, pas mal quand même. Il a des liens d'amitié avec Henri Letellier depuis leur séjour commun à Lille. En 1912, il fait la connaissance de Guillaume Apollinaire. Il peint ses premières toiles futuristes et c'est avec cette toile qui s'appelle Le Port qu'il va présenter à la galerie Giraud, qui va être le déclenchement. Le port, c'est à gauche. On voit quand même une forme, disons, de bateau. En 1914, donc, il va fonder le groupe Vouloir. C'est un groupe d'intellectuels et en même temps d'artistes sur l'île. Jusqu'en 1927, il participe à de nombreux voyages et expositions à l'étranger. Voilà ce dont il est capable. Je trouve ça pas mal, même. On a dit, c'était un picador, c'est ça? On peut dire ça, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas l'air français. Donc. Ça, je trouve ça très beau. Jusqu'en 1927, il participe à de nombreux voyages et expositions à l'étranger. En 1930, il s'installe à Vimereux et se convertit au catholicisme. Donc il a eu un parcours quand même, un cheminement spirituel que personnellement je respecte, mais que Michel Cabanne, si je peux reprendre son parcours, était plutôt un peu raide là-dessus, si vous voulez. Et il faut dire aussi qu'il avait, il n'était pas lui non plus un croyant. Donc ça, voilà. Il se convertit donc au catholicisme jusqu'en 1952, participe régulièrement chaque année au Salon des réalités nouvelles. Le 2 décembre 1952, il décède à Décon-les-Bruyères. Il a exposé régulièrement à Lille, Paris, Milan et New York. C'est un personnage qui va créer ce genre d'œuvre. Celle-ci représente la mer du Nord. Alors, sous divers aspects, alors, je ne peux pas vous dire si c'est une question de tempête ou quoi que ce soit. Il les a numérotés. L'autre, c'est mysticisme. C'est une expression un peu semblable. Là, c'est futuriste. Il atteint son... Comment dire, son abstraction, sans doute. Et voilà,
rentre dans un domaine que je qualifierais d'être proche de celui de Sonia Delaunay. Sonia Delaunay et son mari ont créé un salon des réalités nouvelles bien avant-guerre et qui sera ensuite repris de manière, on va dire, beaucoup plus conséquente en 1946. Et on va dire que tout ce qui tourne autour, si j'ose dire, des lignes et des cercles participe de la même pensée que Sonia Delaunay. Donc voilà. Alors là, c'est pas du tout le même genre. Là, comment a-t-on appelé ça? Je ne sais plus parce que je ne l'ai pas noté. C'est un personnage assez ubuesque, mais bon, on distingue quand même des genres. C'est une évolution picturale, on pourrait dire. Voilà, les trois vitraux de Solray-le-Château, qui sont une œuvre dont il pouvait qualifier de religieuse, puisque lui-même était croyant. Voilà par exemple l'envers du programme du congrès marial de juillet 1938, signé de Félix Delbarre. On distingue bien ce caractère un peu original, il n'y a pas du tout, on n'est pas dans la rondeur. Voilà, on va passer à Henri Letellier. Alors, Henri Letellier, ça j'adore évidemment. Alors, naissance à Calais le 13 décembre 1908, il suit une scolarité classique dans sa ville natale ainsi qu'une formation artistique auprès de son ami, enfin, auprès du professeur, et qui va devenir son ami. Il s'agit d'Alfred Georges Wagner. En 1925, ses parents l'invitent à suivre une voie ou une profession. Il suit une formation de droit à Lille, où il obtiendra sa licence en 1932. Dès 16 ans, il expose ses œuvres à Calais. Il s'initie à l'art à travers des revues spécialisées ou la visite d'expositions à Lille ou Bruxelles. La gravure sur bois le passionne et c'est son professeur Henri Roland qui va l'initier. Voilà. Henri Letellier par Gaden. Et voilà ses premières œuvres. Il découvre l'art contemporain. Son professeur, c'est Henri Roland qui va l'initier en 1926. Son geste est affirmé, son style voisine l'expressionniste de Frans Masrel. Frans Masrel va être connu pour avoir travaillé beaucoup avant la guerre à Équignan et avoir écrit sur des romans et avoir fait des dessins énormes, remarquables. Frans Masrel était d'origine belge et il s'est expatrié en France où il a fait un travail remarquable d'illustrateur de certains ouvrages d'Orgelès, de mémoire, qu'il rencontre à Équignan. Il découvre l'art contemporain et sa rencontre avec Félix Delmarle à Lille sera déterminante dans son parcours artistique ainsi que celle d'Auguste Herbin. Ceux qui sont allés au musée Matisse à je ne sais plus où, dans le Nord, oui, à au Cateau Cambrésis. Voilà. Eh bien, en arrivant, vous avez à droite un vitrail, c'est celui d'Henri Letellier, représentant un travail d'Herbin. C'est une donation, d'ailleurs, du bienfaiteur qu'est Henri Letellier. Donc, il découvre l'art contemporain et sa rencontre avec Félix Delmarle. La vie sera déterminante dans son parcours artistique, ainsi que celle d'Auguste Herbin, pour lequel il a rendu hommage en créant le fameux vitrail du musée Matisse, au Cateau Cambrésis, c'était marqué. D'après Joie d'Auguste Herbin, il ne faut quand même pas trop anticiper. Hein. Diplômé en droit, il se consacre cependant à la peinture et au vitrail en 1930. Il crée sa première œuvre abstraite. Et c'est en 1930 qu'il acquiert la maîtrise du vitrail dans l'atelier de son maître Pierre Turpin. En 1935, il reprend l'atelier de Pierre Fourmintrault, situé rue Port-Gailleul. Alors évidemment, ceux qui sont de Vissan connaissent bien ces deux vitraux qui sont juste derrière moi et l'oculus qui se trouve en face.
Voilà une des, enfin, deux œuvres de Henri Letellier qui me plaisent énormément. Celui-ci, c'est évidemment Le Blanc Nez, dans une forme tout à fait originale, hein, on va dire. Et puis l'autre, c'est un vitrail. Moderne, évidemment. Voilà l'évolution de Henri Letellier, qu'on peut distinguer d'ailleurs, si certains connaissent bien Boulogne, quand vous regardez l'école Godefroy de Bouillon, vous avez le réfectoire qui est réalisé entièrement avec ce type de vitraux. Et vous aviez aussi le petit séminaire qui n'existe plus, et vous avez encore d'autres endroits dans Boulogne, mais pas que. Paris l'attire en 1948, le Salon des réalités nouvelles, créé en 1939 par Sonia et Robert Delaunay à la Galerie Charpentier, voilà le nom que je cherchais, a donné son nom au Salon de 1946, qui propose trois œuvres, ceci régulièrement jusqu'en 1956. Ces salons lui offrent l'occasion de formidables rencontres. Nicolas de Staël, il y en a qui sont intéressés dans l'Assemblée, Pierre Soulages, c'est pas n'importe qui quand même. Il intégrera les abstraits géométriques. Ah, voilà encore une autre forme d'abstraction avec Herbin, Delmarle, l'Empereur Haut et bien d'autres. En 1953, il crée le groupe Sextant, ce dont je vous parlais tout à l'heure et même au début, et organise des expositions d'art abstrait à Boulogne et ailleurs. En 1970, avec son ami Georges Regner, il crée le Salon de la gravure de Bayeux et s'adonne au papier collé. En 1980, l'exposition lui est consacrée à Riga en Urss. L'ensemble de son œuvre gravée est conservée au musée de dessin et de l'estampe de Gravelines. Son activité dès 1945, dont le vitrail lui procure une intense activité locale à la reconstitution d'édifices religieux. Voilà encore quelques abstractions. Alors, ceci est un résumé, mais bon, il y a bien plus grand, bien plus d'autres, il y a davantage d'autres choses qui ont été vendues à cette vente il y a deux ans à Boulogne, lors de la mort du fils d'Henri Letellier, Jacques Letellier, dont l'épouse, n'ayant pas de descendance et sur sollicitation de Baquer, a profité de l'occasion pour vendre énormément de dessins et de projets que le fils avait conservé du père, ainsi que des vitraux, dont certaines œuvres sont représentées ici. Brigaud, nous y arrivons. Raoul Brigaud. Raoul Brigaud, c'est un enfant de la maison, on va dire, parce qu'on le voit ici chaque fois, on ne peut pas l'oublier ni l'ignorer. Il naît à Lille le 25 novembre 1886, il montre très tôt des prédispositions pour l'art et la peinture. Dès 1905, il expose des toiles à la Société des artistes lillois. Il est intéressant de noter qu'un tableau d'un Dunkerque dans la brume, nous y arrivons, enfin je pense, le voilà. Alors ça, je vais lire ce que j'ai marqué, découvert par hasard tout récemment chez un particulier, démontre l'extrême maturité à peine 20 ans d'une œuvre exposée en 1906. Or, quand ma fille m'a montré ça, j'ai été complètement stupéfait, d'abord de découvrir qu'il s'agissait de Brigaud et je n'avais pas bien lu la signature, et ensuite, après agrandissement, j'ai... Enfin, ce qui est intéressant de noter, c'est Dunkerque dans la brume. Or, s'il y a bien des choses difficiles à faire, et c'est toujours ce que j'ai retenu dans mes recherches, enfin, entre guillemets quand même, c'est bien représenter la neige et un paysage de neige, il n'y a rien de plus compliqué, et un paysage de brume, parce que tout, rien n'est net, tout est estompé. Et par conséquent, dans cette œuvre d'à peine 20 ans, on découvre là une maturité totale. Alors lui, il a un parcours, mais alors à la hauteur de son dynamisme. Avec son épouse Marie-Thérèse Desrousseaux, il s'établit à Tourcoing en 1911, puis vers 1920 devient architecte. Il décide alors de s'installer à 800
dans la villa Les Rosiers en 1920, qui existe toujours, Dieu merci. En 1922, il devient vice-président du syndicat d'initiative de Wisson, dont le président est Adrien Demont. À la mort de ce dernier en 1928, il en devient président jusqu'en 1938. Son activité artistique le déploie vers des expositions où le thème de la mer est présent. C'est un homme de la mer. Il n'est pas du tout dans le paysage, on va dire, de l'intérieur. Il le fait accessoirement, mais il a une autre activité qui, à mon sens, rejoint celle de Hergé. Il est absolument un dessinateur émérite, remarquable, et on va le voir. Son activité le déploie vers des expositions, le thème de la mer est présent. La majorité de son œuvre est liée à la mer, disais-je, au référage qu'il anime. À partir de 1930, de façon régulière, il participe au salon et exposition entre Lille et son village d'adoption, Wisson. En 1932, Wisson devient un pôle littéraire et il accueille le congrès des écrivains de France. Le saviez-vous ? Moi non plus. Comme il va faire, en 1932. Il participe en tant qu'architecte au remembrement après la guerre de 14-18 et aussi en 1945, il est soucieux de l'environnement déjà à cette époque. Il n'a cessé de peindre et d'exposer dans les salons régionaux parisiens. Il est membre du Salon des artistes français, exposition d'art sacré à Lille en 1947, galerie Georges Petit à Paris, son chemin de croix en 1936 à Wisson, son triptyque du Grand Hôtel qui a fait grande impression au Grand Gamariel de 1938 sont ses œuvres magistrales. Voilà par exemple un tableau que j'ai découvert qui est Bazingos. Mais dans l'état où je l'ai eu, je ne sais pas comment dire, il était uniforme. Alors, la même chose qui a été, alors ça c'est de ma faute, c'est nettement plus beau que ça évidemment, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mon ordinateur c'est une barque échouée. Alors ça c'est un curieux tableau, mais il offre l'intérêt de voir ces Ypor représentant une scène de plage de au secours de la vie. Enfin, c'est la dimension du tableau qui est assez originale. N'est-ce pas, Jacques ? Alors, là, ici, c'est un champ de lavande. Oui, ça a été vendu pour un champ de lavande. En réalité, au sortir de Dingan, c'est la descente de Watermel, pour ceux qui connaissent, quand on vient de Bouvelle, par la Côte. Voilà. Il vient d'Allemagne, comme par hasard. Alors, ça, c'est... C'est moche comme tout, mais c'est nettement plus beau. C'est une église qui est celle de Wisson, là où nous sommes. Et alors, on chemine dans la découverte de où elle est arrivée. Parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'elle avait été au salon de 1930, je crois, à Arras ou quelque chose comme ça, il me semble. Tu l'avais retrouvée au niveau du parcours. Et alors ça, c'est probablement une tentative pour pouvoir rejoindre peut-être le talent de Virginie de Montbreton qui fait un excellent travail avec ses enfants au moment du bain. Là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais ça vaut la peine. Alors là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les archives familiales. C'est tout dans la nuance. D'abord parce que mon beau-père, M. Lefay, n'était pas une personnalité qu'on abordait assez facilement. D'abord parce qu'il était très seul, n'est-ce pas, monsieur ? Il était très occupé et on l'occupait tout le temps. Alors c'est marqué, cher, je n'ai pas tout défini, mais peut-être vous ferez mieux que moi. Cher M. Lefay, j'ai depuis un peu plus besoin d'une voiture. Je vous en prie, déjà, c'est pas rare, hein, avec une amicale insistance. Oui, quand même, des nuances. N'oubliez pas la Hotchkiss. Alors, sans doute avait-il ce type de voiture. Je serai à Wisson
dans une dizaine de jours, si je pouvais être renseigné, alors là il y a une supplique, à ce moment, cordialement, brise. C'est qu'à l'époque, on parlait bien aux garagistes. Maintenant, c'est autrement. Et à côté, voilà une réalisation à l'hôtel Maristella, du Billy Goff, de Maristella. Alors, là où je trouve que c'est vraiment impressionnant, c'est ce qu'il a fait. Et en discutant avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, on disait qu'il avait vraiment un talent de dessinateur. Et ce n'est pas normal, c'est un architecte. Un architecte, ça c'est manier le crayon quand même. Drobeck fait pareil. Voilà des choses que j'aime beaucoup. Une bolognaise d'un côté, une mi-centaise de l'autre. Et le soleil qui les anime. Voilà encore des choses pas mal. Voilà encore ça. Et alors voilà ce que j'ai retrouvé dans les archives, c'est qu'il proposait ses œuvres en noir et blanc, évidemment, parce que pour l'époque, il n'y avait pas de couleur. Et mes beaux-parents n'en voulaient pas, pourquoi ? Bon, j'en sais rien, ils n'avaient pas les moyens peut-être à l'époque. Mais voilà, c'était des photos du midi, en noir et blanc, et c'était marqué sur l'enveloppe « Propriété Brigo ». Il fallait les rendre, sans doute. Voilà. Nous passons à un autre personnage, sans transition, dont Paul Béraud. Alors là, celui-là, c'est un monument. Je ne sais pas comment on peut faire mieux ou pire, j'en sais rien. Mais... Alors, donc Paul Béraud, né à Paris, diplômé de l'École des Beaux-Arts de la capitale, il rentre dans les ordres. Voilà donc Paul Béraud au centre avec deux personnages. Le premier, c'est Vandeleur, qui sont des aides qui l'ont, enfin deux ingénieurs qui l'ont aidé lorsqu'il était à Oosterhout aux Pays-Bas. Et ensuite, ici, on a Philippe à côté de lui et Parenti de l'autre. Donc je vais continuer la biographie que j'ai par ailleurs. Il entre dans les œuvres de l'abbaye bénédictine de Solesmes en 1902 et il va partir à quoi ? En Angleterre, à l'abbaye de White. D'abord comme moine, et le père abbé de là-bas va lui demander de s'intéresser de près à une petite chapelle. Il va le faire avec une telle intelligence architecturale que de moine, il va redevenir architecte et il va rester un peu moine accessoirement. Enfin, c'est ce que vous comprenez dans le cheminement. Autrement dit, on lui a remis, sans qu'il le veuille, le pied à l'étrier de ce métier qu'il avait, hérité probablement de son père, qui était lui-même architecte et qui s'intéressait beaucoup à l'œuvre architecturale des bâtiments historique. Il y a un architecte qui a participé avant à la restauration de Notre-Dame de Paris, vous savez qui ? Non ? On va revenir. Bon, enfin bref, on en reparle. Il est architecte et moine. Il dirige successivement les ateliers d'architecture d'Oosterhout aux Pays-Bas de 1921 à 1928, puis le WISC de 1928 à 1940. Il est membre fondateur du groupe d'art sacré L'Arche en 1917 et de la Nef en 1935. Il passe les dernières années de sa vie au Canada où il meurt en 1944. Son œuvre uniquement religieuse, très apprécié de la revue L'Art Sacré, même des styles de Beaux-Arts, d'École du Nord, d'Art Déco. Don Béraud, poète de la brique, c'est certainement une des plus belles manifestations qu'on peut lui décerner, celle d'être poète de la brique. Voilà le personnage. Là, il est en train de faire un casse-croûte avec Joseph Philippe quand ils vont sur un chantier. Il a son adjoint avec, et voilà. Voilà donc Paul Béraud. Alors voilà la première œuvre qu'il réalise en revenant en France, c'est celle de l'extension de l'abbaye de Wisk, actuellement en restauration, entre parenthèses, pour 2 ans. Et voilà le couloir de déambulation.
ici et avec, comment dire, les carreaux qui ont été agencés mais qui sont tous décédés parce que, m'a dit le bon père, pendant la guerre, les Allemands avaient réquisitionné ce lieu et avaient entreposé tout un tas de victuailles et qui ont déséquilibré le sol d'une certaine façon, m'a-t-il dit, et donc ça doit être restauré à nouveau. Voilà donc l'espace tel qu'il est représenté. Ceci est le réfectoire où j'ai eu l'occasion de prendre un repas. Bon, là, il faudra me s'accrocher un peu quand même, hein, soit dit en passant. C'est en silence, surtout en silence. Hein. On ne parle pas, donc c'est assez... Bon, il faut s'y faire, quoi. Mais c'est sympathique. On voit la œuvre, comment dire, architecturale de Rombello. Voilà, et la chaire qui a été représentée. Tout le mobilier a été fait par lui. Et le bon père m'a dit, à l'époque, on n'avait pas un sou. Donc ils se sont quand même bien débrouillés. Alors là, nous arrivons à quoi? Alors là, je suis désolé, c'est cette abbaye qui a été construite et imaginée par lui. Vous imaginez ce monument? Coire se trouve un petit peu à l'extension, c'est Coire et l'abbaye Notre-Dame se trouve en extension dans l'abbaye dans l'île de Wight. Voilà l'intérieur et une partie du clocher. Il fallait quand même être hardi pour, avec la brique, s'engager là-dedans. Voilà des réalisations. Par exemple, celle-ci qui a été réalisée de Saint-Joseph de Fins, F-I-N-S, en Haute-Savoie. Vous voyez l'architecture, comment elle est élégante. Ainsi que l'autre à côté. C'est en France aussi, je crois, c'est Romans, non pas en Isère, mais Romans dans la Drôme. Voilà une autre forme d'architecture. Là, on n'est pas dans la brique, on est dans la pierre, mais c'est le même style. Voilà la chapelle Saint-Hubert et l'abbaye qui est derrière. Ben voilà l'église paroissiale de Romans, dans la Drôme. Alors ça, c'est Saint-Thérèse de Lisieux à Beauport, c'est quand il a traversé l'Atlantique pour aller au Canada, au Québec précisément, et Dufresne, qui était un admirateur de Don Paul Bello, lui a demandé de réaliser quelques œuvres. Il faut savoir qu'en France, il a réalisé au moins 18 églises, au moins, et pour une quarantaine mondiale. Il a été donc Bruxelles, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, la France évidemment, une vingtaine au moins, mais également au Portugal. Il a eu une audience quasiment internationale, une réputation tout autant. Des livres ont été écrits à ce sujet. C'est un homme d'une valeur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été, comment dire, l'organisateur, l'architecte d'un matériau que nous connaissons tous, qui est la brique. Il a su la marier dans un délire, on va dire, absolu d'architecture. Voilà, par exemple, une œuvre magnifique. C'est du Gaudi. Pas François Metz. Je dois avoir quelque chose là-dessus. Alors, c'est un moine bénédictin et artiste peintre. Il s'appelle Jacques J. 2AP, MES, M-E-S. Il naît en 1892 à Haarlem, aux Pays-Bas, dans une famille protestante. Il aime l'art et la peinture. Il entre à l'école des arts et métiers de Haarlem. Il fréquente de nombreux musées à Amsterdam. Parmi les modernes, il est attiré par Cézanne et les anciens par Giotto. Il se lie d'amitié avec des artistes comme Mathieu et Piet Vien Gan. Oula. Travaillent ensemble. Pendant la guerre de 14-18 en garnison, il rencontre Mgr Hermus. Il y a toujours un élément déclenchant, je remarque, dans le destin des peintres, des artistes,
qui lui demande de peindre le hall de la chapelle de Saint-Michel-Gestel. Annick, il faudra connaître, où tu es Annick. Son talent se révèle et continue à s'y produire. En fait, c'est à ce moment-là que, de moine qu'il est devenu, il va déclencher en lui le désir de peindre, parce que quelqu'un lui aura dit que l'œuvre qu'il a faite est belle. Et ça déclenche chez lui le désir de continuer. Il ne faut pas grand-chose hein, pour les hommes. Mais dire que c'est beau, c'est bien aussi. Le 6 mars 1914, à l'abbaye Saint-Paul d'Osterhout, qui est l'abbaye Saint-Paul de Wisk, en exil, sa conversion au catholicisme marque un tournant dans sa vie. Il est baptisé, il entre à l'abbaye et reçoit l'habit monastique et est placé sous le patronage de Saint François de Sales, sous le nom de Frère François. Le père abbé l'enjoint de poursuivre son art et il fait avec ardeur et ses frères qui l'entourent. Il prêche avec un pinceau d'or, voilà sa définition, en 1923. Alors le voilà, alors, je suis désolé pour la qualité, mais c'est une très vieille photo que m'a transmise une personne de qualité, mais la photo ne l'est pas. Voilà un travail qu'il a fait, qui est un bois gravé, et vous voyez sa signature, comment elle est belle, Frère François Metz. Je pense que c'est l'annonce à Marie, si on est d'accord, hein, avec l'ange. Je trouve ça très beau. Et là, c'est Saint Benoît que j'apprécie beaucoup. Alors ici, j'ai eu droit à l'accès des lieux privés de l'abbaye. Alors, je vais continuer ma petite histoire, mais peut-être que je vais passer à autre chose pour vous. Voilà, ici, voilà encore un personnage. Alors je pense que c'est Saint-Pierre. Enfin, mon père m'a dit que c'était Saint-Pierre, mais il n'était pas sûr. Je ne contesterai pas. Donc en 1923, il part pour Wisk, où des travaux de peinture et d'embellissement lui sont demandés. En 1930 et 31, dont Paul Bello agrandit l'abbaye par la construction d'un nouveau bâtiment, une aile de cloître, le réfectoire et un étage de cellules. En 1933, un des moines devient curé de Kercan et fait appel au sculpteur Fernand Py. Ça vous dit quelque chose, Fernand Py, non? Bon. Henri Letellier et Frère François pour la décoration. Or, entre Paul Bello et Frère François, il y avait des atomes brochus, dirait-on. Ils s'entendaient bien. Pourquoi? Ben parce que, m'a dit le bon père, si Paul Bello avait le talent de l'architecture, il n'avait pas le talent de la finition décorative. Et il faisait appel à François Metz pour finir cette décoration. Autrement dit, on n'a pas tous les talents. Et donc, c'est bien aussi de penser à ce qu'il y a. Alors voilà certaines œuvres que j'ai eu l'occasion de voir. Alors je dis malheureusement restaurées. Mais c'est la conséquence d'un matériau qui a été utilisé qui s'appelle l'isorel, qui est un matériau très bon marché, et les bons pères ils sont économes en tout, y compris même dans les enveloppes quand ils les découpent. Et là, l'isorel a servi probablement de matériau brut. Il n'y a pas eu d'enduisage permettant de bloquer d'une certaine façon la transpiration du matériau. Et donc, ça a généré des colorations au niveau de l'ensemble du travail extrêmement désastreux. Je n'ai pas vu l'œuvre à ce moment-là. Là, je la vois terminée et mon père m'a dit « Je trouve qu'il y a un peu trop de vigueur dans les teintes. » Ça voulait dire qu'il y avait un peu trop de rouge, un peu trop de bleu, un peu trop… Voilà. Donc c'est, alors, ce bon père, entre parenthèses, était architecte et avait fait 50 beaux-arts. Hein. Donc quelqu'un qui connaissait quand même quelque chose, malgré les fois, bon père. Donc voilà, c'est une œuvre. Alors, la question que je me suis posée, je dis, mais je remarque que l'ensemble des visages
de ces visages sont romains. Alors, si certains connaissent la fresque de Geneviève d'Andréis, vous remarquerez que les visages sont ovales et même pointus. Et il m'a répondu oui, parce que c'est sa culture flamande qui fait que les visages soient. C'est plus bienveillant. Je vous le laisse tel que je l'ai reçu. Alors là, c'est le lavement des pieds. J'ai vu cette œuvre, je la trouve très belle. Évidemment, je me suis interrogé pourquoi il manquait un personnage. Normalement, ils doivent être 12. En réalité, c'est Judas. Il est parti trahir Jésus. Et c'est pour ça qu'ils sont 11. C'est la question et la réponse. Voilà les personnages. Alors là, c'est une martyre, mais il n'a pas su me dire quoi. Là, c'est la présentation de Jésus au temple. Alors, l'œuvre n'a pas été restaurée, semble-t-il. Nous passons à Jonas, qui est un... Alors là, lui, c'est une montagne aussi. Alors, voilà Lucien Jonas, qui est un artiste fécond. Tableau intimiste, paysage, scène religieuse, portrait, où il excelle, et y compris les billets de banque. Formidable. On va les voir. Lucien Jonas naît le 8 avril 1880 à Anzin dans une famille d'industriels du Nord. En 1899, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris et régulièrement expose ses œuvres, se fait remarquer, et entre à la Société des artistes français dès 1901. Dès 1902, il rencontre Arpini qui le prend sous son aile, entre guillemets. Il revient après la mort de son père s'installer à Paris en 1903. Il obtient des prix ou des récompenses telles que le second prix de Rome en 1905. En 1915, il est agréé peintre militaire attaché au musée de l'armée. Il se spécialise dans le portrait des chefs militaires. Près de 800 panneaux à l'huile, 4000 dessins reproduits dans l'illustration. Ces tableaux sont au musée militaire aux États-Unis, dont l'amiral Pershing ou le général Pershing, je ne sais pas l'un ou l'autre. Je ne sais pas bien, je ne suis pas très à l'aise. Donc on va continuer. Alors voilà ici ce dont il est... Moi j'ai vu certaines œuvres qui ont été vendues chez Hervette, pas loin dans la Somme. Il y a quand même certaines œuvres qui sont montées jusqu'à 40 et 50 000 euros, quand même. Hein. Alors, ici, alors, de mémoire, je crois que c'est Saint-Nicolas du Chardonnay, Chardonnay, c'est pas Chardonneret, hein. Non, c'est pas elle, ça. Chardonnay. Hein. Et l'autre, ça doit être le Faubourg Saint-Antoine. Alors, lui aussi va peindre le chemin de croix. En 1933, il débute sa collaboration avec la Banque de France pour la création des billets de banque. En 1936, il peint le chemin de croix de l'institution Saint-Bernard de Clermarais, aujourd'hui dans l'église de Longnes. Oui, bon, on va en reparler. En 1943, il offre 17 grandes compositions sur la vie de la Vierge à l'église espagnole de Paris. En 1946, il termine le chemin de croix de l'église, 14 tableaux de Saint-Martin de Saint-Amand-les-Eaux. Proche de la nef, il est en lien avec ses amis. Il meurt à Paris le 20 septembre 1947. Ses œuvres sont aux États-Unis, New York, une grande partie des musées français, ainsi que la Thaïlande et Bangkok. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Ben, c'est parce que ça m'a stupéfait dans la réalisation de l'œuvre. Voilà une démonstration qui est donnée. D'un personnage qui doit être, réalisé en dessin à 11h05. À 11h12, voilà ce que ça donne. Quelques minutes plus tard, autrement dit, quand il arrive au bout, ça demande pas loin de 15 minutes. Moi, il me faudrait 2 jours, et encore, je suis pas sûr d'avoir une reproduction identique ou idéale. Donc, il avait vraiment un talent.
Vous allez voir d'ailleurs que ce talent va se prolonger. Voilà par exemple les poilus. Il a été peintre officiel de la guerre, 14-18, et peintre officiel de la marine. Regardez ça, c'est Œdipe, et là à côté, c'est deux personnages, deux femmes, mais c'est nettement plus beau que mes reproductions, hein. Ça je suis triste à ce sujet. Alors là, c'est un nègre au perroquet. Alors bon, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que l'on dirait la même chose dans le titre. D'abord parce que je n'ai pas vu le perroquet, mais c'est quand même le titre. Alors voilà, il a travaillé beaucoup pour les vitraux, pour les décors de théâtre. Et voilà ce dans lequel nous arrivons, c'est-à-dire les billets de banque, qui était sa passion. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu ça. Ça date des années 40. Moi, je devrais que souvenir, mais bon. Il faut dire aussi que les gamins à l'époque ne se baladaient pas avec ce genre de billets. Voilà par exemple une œuvre que je trouve remarquable dans la gestuelle. Alors, c'est intitulé Un Breton. C'est dommage, je ne vois pas un Breton là-dedans. Voilà par exemple une étude. Et voilà par exemple l'accord donné par la Banque du Liban et de la Syrie en 1942 pour un projet de billets de banque. Drobeck. Et je terminerai sur Drobeck. Alors, Drobeck est un peintre architecte, peintre graveur et lithographe. Pierre-Georges Drobeck, né le 27 juillet 1893 à Amiens. Voilà, c'est un personnage bien. Ses parents sont négociants en bois. Il quitte Amiens pour s'installer à Boulogne-sur-Mer vers 1911. Il fréquente l'école des Beaux-Arts de Boulogne. Il est incorporé en 1913 au régiment de Maubeuge. En 14, il est mobilisé, fait prisonnier près de Cologne. De retour à Boulogne en 1920-22, après divers examens, il reçoit et obtient son diplôme d'architecte des PMG. Alors là, il est représenté, si mes souvenirs sont bons, avec Félix Delmarle à sa droite et un personnage qui me semble être un ecclésiastique. Je crois. En 1923, il s'associe avec Louis de Bonvers, et voilà ce dont il est capable de réaliser l'hôtel Picardie. Oui, c'est l'hôtel Picardie du Touquet. Royal Picardie du Touquet. C'est quand même une œuvre majeure, énorme. Mais il va faire aussi ça, qui existe toujours. C'est la mairie du Touquet. Et là aussi, on retrouve la brique. Et c'est curieux comme la brique a vieilli bien, je trouve. Il y a aussi l'hôtel d'Hervaux à Boulogne, dans la Grande Rue, face à l'ancien musée et à l'université actuelle. Voilà par exemple ses œuvres, une équiennoise et à côté une boulonnaise. Mais dans un habit ordinaire, on va dire. Pas en tenue de cérémonie. Voilà une boulonnaise signée Drobeck, et la signature se trouve au milieu. Elle est exactement identique ou presque à celui d'un autre architecte qui s'appelle Brigaud. Les architectes ont une culture de la signature qui est proche du script, c'est-à-dire qu'ils travaillent le stylo, la signature, de manière extrêmement précise. C'est pas une signature à la jeunesse, par exemple, où c'est quasiment un billet de banque. Voilà, par exemple, un lieu qui a été longtemps repris par tous les artistes qui sont passés par Équiens, qui est cette maison de la Dune au Loup, on l'appelle, et qui est une descente vers la mer, qui a été reproduite je ne sais combien de fois par différents artistes.
Et à côté, avant 1940, c'est une affiche de Boulogne. C'était un amoureux des moulins et il a fait une œuvre sur les moulins remarquable que vous avez eu l'occasion de voir lors d'une visite au musée de Gravelines. Et voilà, donc la famille a donné tous ses aquarelles au musée. Et voilà une représentation d'une matelote, équinoise. Et non pas porte-voise, parce que la porte-voise ne porte pas le soleil. Voilà les moulins de Drobeck. Et voilà ce qui termine l'œuvre de Drobeck, le port de Boulogne. Alors moi, on m'a dit que c'était le port de Boulogne, je veux bien croire, mais je ne le reconnais pas. Voilà. Et c'est ainsi que ça se termine.